الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى البيهقي عن الزهري قال أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام. حكيم هذا عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، شرب من الحوض بمعركة بدر ولكن لم يمت كافر، لأن كل من شرب من الحوض غير حكيم ماتوا كفار في تلك المعركة إلا هو. عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. Alors, البياقي a rapporté de الزهري qui a dit il m'a rapporté عروة et il m'a rapporté Saïd ibn al-Musayyab que Hakim ibn Hizam a posé la question ou il a demandé à Sayyidina Muhammad qu'il lui donne. Hakim, il a vécu 60 ans dans la période d'obscurantisme et 60 ans dans l'islam. Il était dans la bataille de Badr avec les kuffars. Il a bu dans le bassin que les musulmans ont fait et avec d'autres personnes. Tous ceux qui ont bu de ce bassin, ils sont morts mécréants sauf lui. Il est resté vivant et il a embrassé l'islam. Alors lorsqu'il faisait vraiment un jurement, lorsqu'il jure, il dit « Non, je jure par celui qui m'a sauvé le jour de Badr. » Que je ne suis pas mort mécréant dans ce sens-là. C'est Dieu qui m'a guidé, que je suis resté vivant. Et par la suite, j'ai embrassé l'islam, je ne suis pas mort mécréant. Alors Hakim, il a dit, j'ai demandé à Nabi alayhi salatu wasalam, il m'a donné. Je lui ai demandé, yani qu'il me donne. Il m'a donné. Encore, je lui ai demandé. Il m'a donné. ثم قال رسول الله يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وهو كالآكل لا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى رواه البخاري. Hakim qui a demandé à Sayyidina Muhammad qu'il l'aide, qu'il lui donne, il lui a donné à 3 reprises et Sayyidina Muhammad lui a dit « Ya Hakim, ce bien, c'est comme une fruit sucrée et fraîche, hulwatun khadira, une fruit sucrée et fraîche, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on désire. » Et il a dit « Celui qui le prend avec, c'est pas avec cupidité, il le prend... » parce qu'il est dans le besoin, il le prend parce que pour régler certains problèmes, il ne le prend pas parce qu'il court derrière l'argent et la vie, non, il le prend avec un bon cœur. Allah lui met la baraka dans ce bien. Et celui qui le prend avec cupidité, en étant attaché à l'argent, il le prend même s'il n'est pas dans le besoin, Allah ne lui met pas la baraka dans cet argent et il sera celui qui mange et qu'il n'a jamais rassasié. Il mange et il n'a jamais été rassasié. Mais d'abord, nous on mange pour ressentir que je suis rassasié. Celui qui mange et il n'est pas rassasié, c'est un problème. Alors celui qui prend l'argent avec cupidité, parce qu'il court derrière l'argent, même s'il n'est pas dans le besoin, et il veut avoir, Allah ne lui met pas la baraka dans ce bien. Et il sera comme celui qui mange et qu'il n'est jamais satisfait, il n'est pas rassasié. Et il lui a dit, la main haute est mieux que la main basse. C'est-à-dire, soit la personne qui donne et ne soit pas parmi ceux qui réclament, qui demandent. La main haute, c'est celui qui donne. La main basse, c'est pas dans la généralité celui qui prend, mais celui qui demande. Parce que des fois, la personne, elle est pauvre, il ne demande rien. Mais on lui envoie parce qu'on sait que c'est un vertueux, c'est un homme d'honneur, mais il ne demande rien aux gens, alors on lui donne. Ça, ce n'est pas à critiquer. Ce n'est pas à critiquer. Celui-là, il ne court pas derrière l'argent. Mais la main basse, c'est celui qui réclame. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Même certains, des fois, ils réclament, même s'il n'est pas dans le besoin. Même s'il... Une fois, on avait à la fin du ramadan, tu vois, il y a la zakat, le fitr, tout ça. Il y a certains qui sont venus. Voilà, les factures. C'est quoi ça? Facture Swisscom. C'est quoi facture? 170. Mais c'est quoi 170? Nous, notre facture à 20 francs. Et toi, tu viens avec une facture 170? Oui, parce qu'on parle à l'étranger. Mais qui t'a dit de parler? Si tu es pauvre, tu parles à l'étranger. Des fois, il y a des gens qui exagèrent et puis après, ils veulent payer les factures Swisscom 170 par l'argent de Zakat. On a dit non.
La ilaha illallah. Si on dit, j'ai pas du pain, j'ai besoin de riz, j'ai besoin de l'huile, il n'y a rien à la maison, voilà. Mais faire des factures de 100, 170 ou 150, ça normalement, comme Daoud ou yani, certains pieux, certains ça, ils vivent avec ça une année. Hein. Une année, parce que une pièce du pain de 1,5 kg, c'est 1 franc. Et lui, par ça, il mange 2-3 jours et il vit avec ça une année. Et là, la sœur, elle veut payer seulement une facture de Swisscom. طيب روى البيهقي أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهيد بدرا. عمرو بن عوف qui a participé dans la bataille de Badr مع النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم ابن الحضرمي. Alors il lui a dit que Amr ibn Auf, qui était parmi ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, et c'est les meilleurs compagnons, ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, et que Al-Nabi a envoyé Abu Ubaida ibn al-Jarrah vers le Bahreïn pour ramener une tribu à, que les gens doivent payer. Et il a mis Ibn al-Hadrami, Ala ibn al-Hadrami, que... avec eux comme amir. فقدم أبو عبيدة بهذا المال من البحرين. Il a amené un certain somme d'argent de biens de Bahreïn. فسمعت الأنصار بقدومي. Les gens de Médine, les pauvres, les auxiliaires à l'Ansar, ils ont entendu que أبو عبيدة est venu avec un certain bien. فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a fait la prière de صبح avec النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف, lorsque le prophète a terminé, il voulait sortir, تعرضوا له, alors l'ansar qui sont dans le besoin, ils se sont mis en face. Et c'est comme il demande. فتبسم حين رآهم. Et le prophète a fait un grand sourire lorsqu'il les a vus. وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة. Je pense que vous avez entendu que Abu Ubaida est venu. وأنه جاء بشيء إلى عمني avec lui quelque chose. قالوا أجل يا رسول الله. Ils ont dit oui au messager de Dieu. قال أبشروا وأملوا ما يسركم. Il a dit bonne nouvelle, espérez que vous auriez quelque chose qui vous fait plaisir. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم في رواية فتهلككم كما أهلكتهم. Alors, il a dit, ayez bonne nouvelle, vous auriez, inshallah, je vous donne dans le sens ce que vient, c'est à vous. Il a dit, mais moi, Sayyidina Muhammad, je ne crains pas la pauvreté pour vous, je ne crains pas la pauvreté, mais je crains plutôt la vie, l'argent, le luxe, lorsque les portes de la dunya s'ouvrent, et par la suite, comme ça a été ouvert pour les communautés précédentes, et vous allez faire la concurrence pour ça, et vous allez s'entretuer, vous allez faire des problèmes entre vous à ça, ils vont distraire et ils vous ramènent au péril, comme ça a été pour les communautés précédentes. Et dans le Nabi, ma kana yakhsha ala ummati al-faqr, kana yakhsha alayhim al-dunya. Al-dunya idha futihat, la porte de du bas monde, lorsqu'il s'ouvre, après les gens, ils vont s'entretuer pour ça, ils vont se concurrencer pour ça, ou ils vont être distraits. Lama bisir al-na'ib, balak wahad, ana un parmi mes connaissances. Qallak bel awal, j'étais au Liban, j'ai pas peur de la mort, ou kaza. Il y a des événements au Liban, c'était très dur. Il dit, je craignais pas la mort. Puis après, il a été en Angleterre, et puis il a fait du commerce, et il est devenu un millionnaire. Il a dit, j'ai peur de la mort maintenant. قال لي بالأول ما كنت أخاف من الموت وكذا وحرب بلبنان عشنا 20 سنة و30 سنة حرب ما كان يخاف. قال لي لما صار في مال lorsqu'il y avait quelques millions, قال لي صرت خاف من الموت. C'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui veut la dunya, qui veut le luxe, et il a peur de la mort parce que tu vois il a beaucoup de moyens. وهذا اللي صاير اليوم بدول الخليج, ce qui est dans les pays de Golfe avec la richesse, ils ont la peur, ils s'attachent à la dunya, ils ont peur de la mort, ils laissent la Palestine, faites ce que vous... Non, 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 il ne faut pas s'approcher de nous, nous on veut la vie.
Mais c'est pas manu tabi'a hada, manu tabi'a akhuk bimut yuqtal qadamak akhuk wa awlad ukhtak wa ukhtak innama almu'minuna ikhwa. Ton frère, ta sœur, tes nièces, tes neveux, tout, ils sont en, les sionistes les ont en train de les tuer avec les armes américaines, sans pitié, avec criminalité terrible, et les autres. نرجع للمثل اللي بيعد العصي مش مثل اللي بي 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 بيسلقها celui qui compte les coups c'est pas comme celui qui reçoit. Ces gens-là ils sont en train de compter mais ils ne reçoivent rien. أسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.